The Jungle won from South Korea, the winner of the Hassan II Cup Trophy. Jungle won, ladies and gentlemen. The winner of the 27th Lara Million Cup. This is Maria Gurillo from Spain. Very excited, and I'm very happy. I just want to play and play my golf, play the course, enjoy the about all, and I'm really happy. Actually, my world ranking gonna be go up, and then probably I got a chance to play Olympic. And it's a really great opportunity for me. I'm sure I'm gonna play next year, and then I hope I'm gonna enjoy again for next year. Actually, this is my first experience tournament, men and women play together, and I don't know, I'm just trying to do my best and then keep going. So I got on 5 straight putts. That's really big one. Yeah. Thank you. Le retour à Rabat avec le trophée et la Coupe Al Amrim organisée sur le même site, le Royal Golf d'Ar Salem, était un véritable challenge. Il est vrai que nos équipes ont travaillé dur pour mettre en place et organiser ces deux tournois. Nous sommes uniques dans le monde à le faire. Mais il faut croire que sur le plan logistique, c'est un gros challenge que nous avons dû relever. Logistique au niveau des transferts avec les deux aéroports, logistique au niveau aussi des transferts terrestres avec la multitude d'hôtels qu'il fallait desservir pour les joueurs, pour les invités. Car un tournoi, c'est déjà compliqué. Deux, c'est encore deux fois plus compliqué. Il y a ici un gros challenge en termes de catering. Comme vous l'avez vu, nous avons dû partager des espaces. C'est bien parce que ça fait notre spécificité, qui est la mixité. Sur le plan sportif, nous avons reçu de bons joueurs et de bonnes joueuses, comme vous l'avez constaté. Et puis la bataille a été très rude. Chaque jour, on avait dans le leaderboard d'autres personnes. Personne ne s'est réellement détaché. Participation marocaine, aujourd'hui on est très fiers d'avoir 3 Marocains qui ont passé le cut. Je parle sur les hommes de Younes et Faisal, donc sur le trophée Hassan II, et bien sûr Maha Haddoui sur la Coupe Al Amrim. Donc oui, on a fait quand même, sans se faire un carton plein, mais on a fait quand même une bonne prestation. Et donc ça, c'est à l'honneur du Maroc, ce qui prouve que le golf marocain évolue, se développe, et apparaître à ce niveau de compétition est déjà un grand pas.